Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à la collectivité, votre rendez-vous qui est devenu quotidien, puisque vous l'avez remarqué, nous accueillons nos quatre derniers candidats. 40 minutes pour en savoir plus sur le programme de notre invité, mais vous participez à cette émission également grâce à la question web. Il y aura la question de la personnalité civile, le Zap Info, le portrait et Farouk Amri, notre chroniqueur politique pour la rubrique Face aux électeurs, a fouillé sur notre candidat. Il pourra répondre à toutes nos questions. 40 minutes, c'est le timing que nous vous proposons pour Face à la collectivité qui accueille ce soir Rodolphe Alexandre. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonjour, monsieur Vernet. Comment vous vous sentez pendant cette période électorale? Très bien, très serein. Je pratique mon sport, je travaille davantage. Et de toute façon, nous sommes condamnés à rester sereins, fermes dans les décisions et à s'entourer au maximum de conseils. Le Rassemblement, c'est quoi? Un parti de droite, de gauche, autonomiste, indépendantiste? Quelle est la philosophie de ce parti? Le Rassemblement, c'est un parti guyanais qui s'adresse aux Guyanais, aux habitants de la Guyane, qui se véhicule dans la multiculturalité, dans la diversité des populations, dans ses composantes, sur l'ensemble de ce territoire immense qu'est la Guyane, et qui se veut dans les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité, d'amitié, de solidarité. C'est un parti nouveau qui est issu de Guyane 73, qui veut expliquer aux concitoyens, aux compatriotes, que la Guyane mérite une émancipation, une évolution statutaire, une évolution dans le cadre de son développement économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fédéré aussi bien des partisans du 73 que du 74, parce qu'entre-temps, il y a eu des nouvelles lois qui sont sorties et qui permettent aux Guyanais de s'adresser aux Guyanais, de parler aux Guyanais, d'anticiper, de prendre des responsabilités et des risques. Et c'est ce que nous voulons faire. Cela fait 5 ans que vous êtes à la tête de la région Guyane. Si je vous demande votre bilan, vous me direz qu'il est positif. Du coup, dites-nous ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, ce qui vous paraît être capital pour le pays. Eh bien, nous n'avons pas pu réaliser le lycée, au moins lancer le chantier du lycée de Saint-Laurent-du-Maroni, alors que nous avons provisionné donc les fonds pour sa réalisation, ainsi que les filières. Je suis désolé parce que cela est lié au problème du foncier. On a perdu plus d'un an sur un terrain qui était préempté pour le compte de la région et qui a été donc cancérisé par des squatteurs. Je regrette de ne pas avoir lancé le deuxième échangeur, mais les travaux ont commencé, notamment sur Maringouin. Et puis, j'espère, une fois élu, que nous pourrons lancer les vrais chantiers pour lesquels les Guyanais attendent de nous un programme. Je pense au curage du Creek Fouillé, avec un pont qui permettra de relier Matoury et Montjoly du côté de la famille Fromard. Je pense à la 2x2 voies à partir de Macouria sur Cayenne, avec un nouveau pont, le pont montant, le pont sortant. Et puis je pense à toutes les filières économiques sur lesquelles nous sommes capables aujourd'hui d'apporter donc les dotations sur l'orifère, sur le bois, sur la pêche, etc. D'autres questions, Rodolphe Alexandre, mais ça sera juste après votre portrait. Il est signé Ayodele Germa. On regarde. Mercredi, 7h du matin. C'est jour de marché pour Rodolphe Alexandre. Le marché de Cayenne, il connaît bien pour avoir été président de l'agglomération du centre littoral entre 2012 et 2014. Allez, on remet, hein. Oui. Né en 1953, Rodolphe Alexandre est le seul garçon parmi ses trois sœurs. Il passe son enfance entre Irakoubo, Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne, sous le regard d'un père douanier et d'une mère institutrice à l'école des sœurs. Il fera d'ailleurs une partie de sa scolarité dans cette école. Mes sœurs plus âgées que moi avaient des amis, donc je les fréquentais. C'était une vie, on va dire, adorable, en paix, avec de grandes valeurs. Ma mère a tenu à nous apprendre toutes ces valeurs du bien, du beau, de l'effort, de la pugnacité. Un apprentissage qui lui servira lorsque, dans les années 70, le département lui refuse la bourse d'études. À défaut d'une bourse départementale, il bénéficie de celle de l'État français. C'est à l'huile de coude qu'il arrondit ses fins de mois et achève ses études d'histoire.
On en demandait des laboratoires, on demandait pas mal de choses. À l'époque, on était très revendicatifs. Et dans un premier temps, j'avais quand même reçu les menaces de quelques professeurs. Quand je n'ai pas eu de bourse départementale parce que je faisais de la politique, eh bien, je travaillais le soir. Et en l'occurrence, toutes ces choses-là, je suis en fait un enfant de la République. Je suis un enfant qui a bénéficié de ce qu'on appelle la méritocratie. J'ai travaillé pour arriver jusque-là. Une volonté qui le conduit au lycée Jacques Decour, dans le 11e arrondissement de Paris, pour achever ses études secondaires. C'est un lycée où il y a beaucoup d'enfants d'origine juive. Donc là, j'ai appris Israël, j'ai appris la politique, de la rencontre ou les conflits avec la Palestine. Il s'oriente ensuite vers l'université de Bordeaux, où il obtient une maîtrise en histoire. Il aurait pu faire une carrière à Paris, mais il en décide autrement. J'avais eu des propositions pour travailler à la bibliothèque du Sénat, parce que entre-temps j'avais connu Gaston Monnerville. Il savait que j'avais commencé à publier pas mal de recherches, mais j'ai préféré mon pays. Rodolphe Alexandre enseigne l'histoire et la géographie pendant 5 ans au lycée, à l'université et à l'école normale. Entre-temps, il obtient un doctorat dans la même matière en Guadeloupe à la fin des années 80. Sa vie d'enseignant semblait toute tracée, mais c'est sans compter avec une rencontre qui sera cruciale dans sa vie politique lors d'un congrès du Parti Socialiste. J'ai pratiquement passé mon temps dans la salle de réunion à écrire les trois quarts des différentes motions. Et c'est là que Georges Otilly donc m'a repéré et m'a dit si j'étais intéressé. Il allait donc bientôt occuper les rênes de la région Guyane et qu'il espérait avoir des étudiants, des universitaires à ses côtés, des jeunes en quelque sorte. J'ai dit d'accord, je viens, j'accepte. Et donc j'ai quitté définitivement le corps enseignant pour rejoindre donc l'administration territoriale. Pendant 9 ans, le jeune militant socialiste est directeur de cabinet de Georges Otilly. Lors des régionales de 1989, un conflit de pouvoir oppose Georges Otilly et Élie Castor au sein même du Parti socialiste guyanais. Élie Castor l'emporte au régional. Rodolphe Alexandre sera son conseiller technique pendant 5 ans. On arrivait à une fracture au sein même du PSG, donc j'ai fait un choix, c'est tout. Et mon choix, je l'ai assumé auprès de M. Élie Castor. Ça ne m'a pas empêché après de me réconcilier avec M. Otilly. J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands du Parti Socialiste guyanais, notamment M. Ribal, Mme Borromé, Gérard Roder, Jean Cataillé. Et le père de ce dernier, Justin Cataillé. Je veux solliciter de vous une aide afin de faire cesser une situation dramatique et éviter de nouveaux déboires en Guyane. Le 22 juin 1962, le député et fondateur du Parti Socialiste guyanais meurt lors d'un crash d'un vol d'Air France en provenance de Paris. L'avion s'écrase en Guadeloupe, 173 passagers étaient à son bord. Le dernier ouvrage pédagogique de Rodolphe Alexandre est consacré à cet homme politique. Alors Cataillé a parlé de statut spécial, il n'a jamais été indépendantiste, il n'a jamais parlé d'autonomie, il voulait en sorte une collectivité, une assemblée, dans le cadre peut-être d'une régionalisation. Président du conseil régional depuis 2010, la Guyane idéale de Rodolphe Alexandre est une Guyane intergénérationnelle. C'est la Guyane où les enfants, où les grandes personnes, les personnes âgées vivent en paix, en intergénérationnel. C'est la Guyane que nous bâtissons, c'est la Guyane que nous parlons. Mon rêve, c'est pas seulement un rêve, notre volonté politique avec mon équipe, c'est de réaliser cela. Voilà votre portrait signé Ayodele Germa. Certains mettent en avant leur modestie et vous, on vous fait passer pour un bourgeois, un nanti, alors qu'en fait vous venez d'un milieu modeste. Ah oui, excessivement modeste et très simple, mes amitiés, mes rencontres, je suis présent partout, dans les manifestations sportives, culturelles, dans les enterrements, dans les joies, dans les mariages, dans les baptêmes, parce que c'est ma vie, je me suis donné à mon pays, j'ai servi à mon pays. Bon, le choix du marché n'était pas au hasard, vous faites votre marché. Ah ben régulièrement, ouais. Régulièrement, et parce que c'est quand on fait de la politique, on doit aimer la population. À partir du moment où on se sent fatigué ou dépassé par les événements, il faut se retirer. Donc quand on a la fibre, il faut y aller. Et le premier élément d'un politique, c'est savoir écouter et savoir être dans la population. Les partis ont pris du temps pour dévoiler leur programme. Vous avez peur que l'on vous pique vos idées. Difficile pour un électeur indécis de faire la différence. Léon Bertrand a même dit « vos programmes sont les mêmes » en parlant d'Alain Tianlong.
Ah non, ça, je ne le pense pas. Je le réfute. Mmh. On a un programme, on va dire, sans prétention, bâti autour de la Guyane, de sa population, de sa cohésion sociale, bâti sur le maillage de tout le territoire. On a territorialisé notre programme, aussi bien à Sahul, à Saint-Élie, à Cayenne, Rémy-en-Montjoly, ou sur le Maroni, sur le Yapok. On a ensuite mis en évidence toutes les filières économiques. Vous savez, la question de Saint-Laurent, on va l'évacuer. Mmh. Le maire nous avait invités à débattre. On lui a fait un film où on exposait la problématique de Saint-Laurent. 90 000 habitants, en ajoutant à Patou, à Mana, à Ouala, dans 10 ans, 170 000 habitants, et dans 20 ans, 250 000 habitants. Ça veut dire que nous, on a amené toutes les propositions au niveau de l'orifère, au niveau du bois, au niveau de la pêche, de l'agriculture. Bon, il a fait son choix, nous l'actons. Maintenant, c'est à nous de convaincre la population. On rappelle qu'il y aura 8 sections qui seront représentées à la CTG. Sur quels critères vous avez sélectionné vos têtes de section ? Eh bien, nous avons toujours eu de très bons rapports avec beaucoup de personnes. Et nous avons d'abord mis en évidence la jeunesse, la compétence, l'expérience. Nous avons mis en évidence la fusion autour du programme, parce que nous, on a fait des séminaires, on a préparé nos candidats à la participation de cette campagne électorale. Vous savez, quand on fait de la politique, surtout quand on est leader d'une liste, il faut d'abord convaincre, séduire les personnes autour de vous. Ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont des parents, qui ont des enfants. Donc elles entendent rentrer dans la politique avec noblesse, avec autorité, avec fierté. Donc il fallait convaincre tout cela. Et donc on a fait des choix sectorisés à travers les sections avec une très belle liste d'hommes et de femmes déterminés à servir la Guyane. Tous les partis, sans exception, vous accusent de l'état catastrophique du pays. Rodolphe Alexandre, deux questions. Le pays va-t-il si mal que ça? Et est-ce que vous êtes l'homme à abattre? Ben ça, c'est l'histoire qui le dira, que nous sommes habitués. Vous savez qu'en 2010, nous étions seuls contre 9 partis. Aujourd'hui, la configuration se présente telle qu'elle. Nous sommes seuls contre 8 partis. En admettant peut-être que Budoc avait fait campagne avec moi et qu'éventuellement, il serait encore sur le statut 73 avec quelques améliorations. Être la cible de la campagne, ça signifie d'une part que nous avons un programme, que nous avons un bilan. Et à la limite, nous acceptons ce débat démocratique. Dire qu'il y a une crise en Guyane et nous la reporter, c'est un peu facile. C'est vrai qu'il y a une crise au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Cette crise est arrivée tardivement en Guyane, contrairement à la Martinique et à la Guadeloupe. Mais malgré la crise, et je la reconnais, la précarité, le chômage, l'absence de formation, nous avons quand même une progression de 4 points. Ça veut dire que la Guyane a évité le choc frontal d'une crise beaucoup plus grave. Mais par contre, nous avons mis des moyens pour atténuer la crise. Ça a été l'offre territoriale, 40 millions répartis sur le territoire de la Guyane, favorisant les artisans, les TPE, les PME. Ça a été aussi le cas de la formation qui a été remise en place avec l'OPRF. Bref, on va dire que notre rôle était de jouer le rôle de sapeur-pompier par rapport à une crise dont la responsabilité appartient fondamentalement à l'État. Je veux rajouter une chose. Très courte. Très courte. Mmh. Savez-vous qu'à la région Guyane, on nous ponctionne sur la solidarité nationale de l'endettement de la République de 1 300 000. Ça veut dire que le plus petit budget de la France républicaine, aujourd'hui, est ponctionné de 1 300 000. On nous a retiré 300 000 euros sur les transports aériens avec Air Guyane sur l'ensemble du territoire. Malgré cela, nous avons trouvé les moyens de sortir avec une trésorerie excédentaire, un fonds de roulement de plus de 26 millions. On a préparé la fusion de la nouvelle collectivité. Très bien, Rodolphe Alexandre, nous allons ensemble commenter l'actualité de la semaine. On aura quelques questions. On regarde. Réunion exceptionnelle, convoi exceptionnel. Ce lundi après-midi, plus de 800 élus se sont retrouvés à Versailles, en congrès, demandé expressément par le chef de l'État, après les derniers événements tragiques qui ont secoué Paris vendredi. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. C'est l'unité nationale. Je suis parlementaire, j'ai un travail à faire. C'est vrai que je suis en pleine campagne électorale, mais c'est un congrès qui réunit tous les parlementaires à Versailles. Il fallait que je sois là, il fallait que nous soyons présents, voilà, pour pouvoir montrer au président de la République, montrer aux Français qu'il y a une unité nationale pour pouvoir assurer la sécurité de tous les Français. Aujourd'hui, la question de l'état d'urgence, c'est selon le jugement de,
de l'État. Il y a eu des états d'urgence, notamment en 1995, arrêtés que sur la Paris, sa banlieue. Donc ça peut être circonscrit sur un territoire donné. Aujourd'hui, il faut considérer que le phénomène est aujourd'hui écampé de l'Hexagone. Ça peut toucher les Antilles. On a aussi des exemples de radicalisation qui existent. Nous avons versé en 2013 117 millions d'euros de RSA. En 2014, 126 millions, et cette année, nous prévoyons que ce versement soit à hauteur de 135 millions. Donc nous avons connu un effet ciseau en 2012, c'est-à-dire que nos charges, nos dépenses ont dépassé nos recettes compte tenu du gel de nos dotations, compte tenu du fait que nous participons au déficit national à hauteur de 4 millions d'euros, notamment cette année. Et compte tenu de cette situation qui est alarmante, le préfet a tenu à solliciter le ministre de l'Intérieur et celui de l'Outre-mer pour demander une dotation exceptionnelle. Le visage grave est marqué par les événements de Paris. Juifs, catholiques, musulmans, protestants, croyants ou non, tous prônent l'amour, le respect de l'autre et la tolérance. Les différents cultes ont décidé de consacrer un temps de prière aux victimes des attentats du 13 novembre. Pour rappeler aux autres que, quelle que soit leur position, nous n'allons pas céder à cette tentation de chercher à détruire ceux qui sont en face de nous ou à côté de nous. Une émotion partagée, une volonté commune de ne pas nous laisser décourager ni demeurer dans le désarroi, mais de dire qu'au fond, on ne peut pas combattre cette guerre par seulement des armes de guerre. Il faut les combattre par plus d'amour et plus de justice. Voilà le Zap Info réalisé par la rédaction d'ATV Guyane. Attentat de Paris. Est-ce que nous sommes en danger en Guyane? Peut-être dû à la fusée aérienne? Si, moi, je le pense, partout, parce que le terrorisme, c'est la barbarie militaire, sauvage, qui ne cherche qu'à effrayer, à paniquer toute population, et en l'occurrence, aucun territoire, aucune frontière ne l'aurait, on va dire, inaccessible. Donc je pense qu'en Guyane, il faut prendre des mesures, et nous savons que la Guyane dispose donc du port spatial européen. Maintenant, il faut espérer que l'État assure la sécurité de tous les compatriotes. Le RSA, quelle histoire? La future CTG aura en charge le RSA. Est-ce que cela ne va pas freiner les investissements d'une future collectivité? Eh bien, écoutez, j'attends les élections pour que nous puissions avoir l'inventaire complet des finances du département. Il est certain que le RSA, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on nous annonce avec beaucoup de brio et surtout le soutien de M. le préfet qui sort de son droit de réserve. J'en suis surpris, mais je signale que ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, les comptes sont-ils sincères ou insincères? C'est au moment où nous allons rentrer. Nous savons, nous, d'après nos audits, qu'il y a plus de 12 millions. De cette situation-là. La faute est liée à l'exécutif qui a géré les fonds du département. Il appartenait, d'une part, d'effectuer des contrôles, de réviser les plans de formation aux côtés donc, de la région, de voir quelles sont maintenant la déclinaison des activités au niveau du RSA. Mais je vous le dis, ce n'est, en toute modestie, sans aucune prétention, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que la dette sociale de la région, du département, est considérable. Les reports des vieilles écritures est également phénoménal. J'ai écrit à la fois à mon collègue du Conseil général, au préfet ainsi qu'au ministre le 3 janvier 2014 pour attirer l'attention donc des finances du Conseil général dans le cadre des audits qui étaient donc en synergie. Quel genre jusqu'à de réponse? Ce jour, je n'ai jamais eu de réponse. Le seul parlementaire qui a daigné nous rendre réponse était Georges Patient qui avait donc alerté le ministère. Donc je reste surpris qu'aujourd'hui la préfecture vole au secours d'un exécutif qui est en campagne comme moi-même. On a vu également le vivre ensemble, mythe ou réalité en Guyane. Tout se passait bien avant, on ne se posait pas de questions de religion dans notre département. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est accessible en Guyane où on s'en fait toute une histoire alors qu'en vérité, on vit ensemble depuis de nombreuses années? Ah, tout à fait. Moi, je pense que la Guyane a une particularité. Nous sommes un laboratoire de la planète monde. Nous sommes la définition même de Nelson Mandela, la nation arc-en-ciel. Il y a un vouloir vivre qui se fait de facto, qui se fait régulièrement, qui se compacte, qui s'organise, qui s'entremêle. La religion, ce sont les hommes qui la transforment. Ce sont les hommes qui, finalement, s'en servent à la fois pour des profusions, on va dire, de propagande politique, au point où aujourd'hui, on voit, par exemple, la barbarie
pénétré à travers certaines formes de religion. Moi, je pense que les hommes et les femmes qui passent sur la Terre, qui passent sur la planète, sont faits pour s'unir, pour discuter. La démocratie fait qu'on peut ne pas être d'accord. Mais comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je défendrai votre position, car vous avez le droit d'avoir également une position différente de la mienne. Revenons à la politique et à la CTG. Demain, vous êtes président. Quelle sera votre première action au sein de cette CTG ? La première action sera à destination à la fois des jeunes pour la formation, pour la qualification, pour l'emploi et certainement de mettre en place tous les dispositifs qu'on a étudiés, qu'on a commencé à mettre en place à la région pour aider les entreprises. La troisième action sera liée aux personnes âgées. Il faut qu'il y ait un EHPAD aujourd'hui à Sinnamary. Il faut qu'il y ait un EHPAD à Saint-Laurent. Aider aujourd'hui les structures de crèches maternelles. Savez-vous que tout récemment, à la région de Guyane, nous avons conduit pour la première fois un porteur de projet sur une crèche auprès des banques, auprès de l'AFD et même sur les fonds européens. J'en suis fier parce que ça veut dire qu'il y a une crèche qui va s'ouvrir avec 70 gamins et c'est en fait toute la matrice, tout l'effort qu'on doit maintenant réaliser. Il n'y a que 9% des enfants qui sont couverts par des garderies et par des crèches. Ça crée de l'emploi et ça crée une dynamique au niveau de l'économie sociale. Voilà les vraies activités qui sont porteuses d'emploi et à la fois de cohésion sociale. Très bien, il a écouté la radio, regardé tous les débats, fouillé sur Internet. C'est la chronique face aux électeurs. Voici l'arrivée de Farouk Amri. Farouk Amri, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet, bonsoir Monsieur Alexandre. Bonsoir, votre carte. Toujours la même carte, chers électeurs, amis électeurs, encore une fois, ceci n'est pas qu'un droit et un devoir, c'est un pouvoir, alors servez-vous-en. On commence par la question web. Tout à fait, Gilles, qui nous vient de Jean de Saint-Laurent. La CTG, Monsieur Alexandre, pourra-t-elle créer des agences? Ça va être compliqué de répondre à une telle question avec beaucoup de pertinence. La CTG, c'est 3500 emplois, c'est des différences de catégories, pratiquement 43% de catégorie A à la région. Des agences, 12%, des agences. Oui, mais il faut d'abord régler le problème du personnel, d'accord, régler le problème des régimes indemnitaires, régler le problème de la masse salariale, et je pense que dans un premier temps, ça va être excessivement compliqué de créer des agences. Donc d'abord, les agents. Alors, on l'a entendu, hein, la jeunesse est une priorité, vous êtes élu depuis 2010, pas un seul lycée construit de 2010 à 2015. Ce n'est pas là un aveu de faillite ? Ah, pas du tout. Je crois qu'on a d'abord dû faire des choix. D'abord, payer les lycées réalisés par mon prédécesseur en beau amphithéotique, régler le problème de la dette toxique que nous avons sur ces lycées et sur la masse, on va dire, budgétaire de la collectivité, et ensuite améliorer les différents lycées. Aujourd'hui, nous sortons quasiment un lycée neuf à Max-Joséphine. Nous avons porté des améliorations, extensions au lycée de Damas, ainsi que sur le lycée de Saint-Laurent. C'était d'abord un choix. Le deuxième, c'était le foncier. Je ne disposais pas de foncier à Saint-Laurent. On a perdu un an et demi sur un foncier. On l'a entendu tout à l'heure. Et sur Maripasoula, aujourd'hui, après les travaux qui ont été réalisés par l'ancien maire, M. Bala, et maintenant M. Anneli, nous disposons, par rapport au plan local d'urbanisme, la superficie pour construire un lycée au niveau de Maripasoula. Et mieux, il y a beaucoup de violence, justement, au niveau de ces jeunes de Maripasoula et de Saint-Georges qui sont obligés de faire des trajets tout à fait sans nom pour venir suivre leur scolarité au lycée sur l'île de Cayenne ou ailleurs. Qu'est-ce qui va être prévu pour... Alors, si vous permettez, je vais terminer en disant que nous avons inscrit au contrat de plan 125 millions pour ces deux lycées. Maintenant, restera à voir pour le lycée de Saint-Georges et celui donc de Macouria. Ça, c'est acté. Mais demain matin, je suis élu, il y a deux lycées qui sortiront et qui partiront en travaux. À Saint-Laurent, on va changer de terrain d'assiette, car je l'ai dit, on ne peut pas construire un lycée sur une souffrance. Et à Maripasoula, le maire a déjà mis en place à disposition le terrain de Maripasoula. C'est un engagement ou une promesse électorale? C'est un engagement. Engagement. Donc, il y a trois lycées qui vont sortir, Saint-Laurent, Maripasoula, Saint-Georges. Un engagement ferme. Engagement acté sur les finances, 125 millions ont été bloqués par la région sur les contrats de plan. Le département a mis 50 millions pour les collèges, restera à voir sa capacité financière, et l'État n'a mis que 15 millions pour les lycées. Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, on a mis en place des familles hébergeantes qui accueillent les enfants venant donc de l'intérieur. On paye leurs tarifs aériens, soit de Camopi, soit de Trois-Sceaux ou d'autres, pour se rendre à Cayenne et pour donc bénéficier donc des cours au lycée. On a mis en place des dispositifs répondant, on va dire, à de meilleures conditions pour que nos gamins puissent réussir dans leurs études. Alors on entend d'ici de là pratiquement tous les candidats qui pointent du doigt, puisque la région est responsable de la carte des formations,
des formations qui seraient inadaptées aux réalités du territoire. Je pense que c'est une insulte à toutes les personnes qui travaillent avec beaucoup de volonté, beaucoup de conscience au schéma de la formation professionnelle et qualifiante de notre jeunesse. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut encore passer à un autre pas, c'est-à-dire... De la formation mine, le bois, la pêche. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez au lycée de Kourou, vous avez tout un atelier de formation au niveau du bois. Maintenant, s'orienter vers l'OPRF, vers les métiers donc, de la mine, reprendre avec l'école navale maritime qui est sur Kourou, toute la proportion des métiers dans le cadre de la marine, des marins pêcheurs, la formation de capitaine de navire, tout cela est en place. Par contre, il y a un troisième pôle sur lequel on doit travailler, c'est auprès des entreprises. Aujourd'hui, il y a 10 Guyanais qui partiront pour une formation de boucher. Il y a 20 Guyanais qui sont partis pour travailler dans le numérique. Donc, ce sont des actions ponctuelles sur lesquelles il faut évoluer. L'important... Mais ces formations boucher numérique, pourquoi elles ne se font pas en Guyane ? Pour l'instant, on ne dispose pas de ces filières. Et le cas des bouchers, par exemple, est fait en coordination avec le syndicat des bouchers, qui dispose d'une grosse fédération avec des écoles spécifiques, de façon à préparer ces gamins. Par contre, nous avons, à l'époque, mis en place une filière boucherie à Saint-Laurent, qui, faute de candidats, a dû être fermée. Donc tout cela mérite un inventaire, mérite un suivi. Donc, il y a des fautes de candidats, la reprise, des fois. Parfois, ça arrive. Alors, vous avez estimé vous-même, je vous ai entendu, les besoins structurels de la Guyane à 3 milliards pour rattraper le plan, les infrastructures de la métropole. Et vous avez pourtant signé le contrat plan État-région d'une valeur de 400 millions. Vous avez cautionné une aumône ? Ah ben non, monsieur Farouk, j'assume cette responsabilité. Pour plusieurs raisons. La première, si on ne signait pas les contrats de plan, on aurait perdu les fonds européens. Parce que les contrats de plan... C'est-à-dire que les contrats de plan s'additionnent aux fonds européens. C'est la part qui est avancée par l'État, par la région, par le département pour obtenir donc les fonds européens. Donc nous allons bloquer un système qui est déjà engrangé depuis fin 2014. La deuxième, c'est que les contrats de plan permettent de libérer tout de suite plus de 90 millions. Le pont de Sinamari, le pont de la Comté, la route de l'Est, les premières opérations en matière de numérique. Saint-Laurent, si vous n'aviez pas signé. Saint-Laurent, si vous n'avez pas signé, on aurait accentué la crise. Alors que là, on peut la compenser. La raison pour laquelle nous avons signé les contrats de plan, c'est qu'en 2016, la loi fait obligation de faire une révision globale. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, nous aurons un débat frontal avec l'État, ligne par ligne, chapitre par chapitre, pour voir les engagements qui ont été faits entre la région. Vous y croyez, vous, à la revoyure ? Parce que tout le monde nous parle de revoyure en disant l'État. Mais l'État, le passé, nous a montré que... Écoutez, ce n'est pas celui qui agite un drapeau qui a, on va dire, l'amour plus que nous du territoire. Et surtout la technicité des différents dossiers. Nous, M. Farouk, nous avons aujourd'hui inscrit 187 millions au contrat de plan 2015-2020. L'État y a mis 182 millions d'euros. On a obligé l'État de partir de 135 millions et d'arriver à 182 millions. Ça veut dire que ce contrat de plan, je l'ai signé au nom de la Guyane, au nom des Guyanais, pour 200 millions, lorsque l'État a mis 182 millions. Le Conseil général pour 50 millions. Mais je rappelle qu'en 2007-2014, la région était à 28 millions. Le département était à 6 millions, l'État à 135 millions. C'est nous qui avons démontré notre capacité à mettre en place les moyens pour développer la Guyane. Maintenant, dernière question, c'est qu'on attend maintenant la position du président de la République, le président François Hollande, sur le pacte d'avenir, qui devrait être minimum de 1,5 milliard. Tout le reste n'est pas négociable. Farouk, ne bougez pas, nous avons encore plein de questions à poser à Rodolphe Alexandre. Sans plus tarder, on passe à la question de la personnalité civile, et c'est Tshiseka Lobelt, la présidente de Promolivre, qui vous pose une question. Bonsoir, Tshiseka Lobelt, présidente de l'association Promolivre. En cas de crise, c'est toujours le secteur de la culture qui en pâtit le plus par des baisses de crédit. Un peu au nom des acteurs culturels et en mon nom propre, je voudrais savoir, lorsque vous serez élu à la tête de la collectivité territoriale unique, quelle sera la première action que vous allez mener en matière culturelle ? La culture, une vaste question avec vous, Rodolphe Alexandre. Effectivement, Tshiseka Lobelt pose cette question avec une petite crise de l'EPCC en ce moment. Vous allez nous expliquer. Non, la crise de l'EPCC, n'en parlons pas. Elle va se régler. C'est un problème de dialogue social, de management, et je pense qu'elle va se régler. Si elle ne se règle pas, des décisions,
les plus drastiques seront prises. Mais c'est un bel outil qui a été mis en place, qui a été labellisé entre la région et l'État français. Il n'y a pas de raison que l'ensemble du personnel ne se regroupe pas au niveau véritablement d'une charte de déontologie. Alors les investissements pour la culture, et c'est vrai qu'en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? Non, nous on va d'abord lancer un inventaire. Je crois qu'il y a le schéma de développement de la culture qui est mise en place. Mmh. Il faut maintenant que l'ensemble du personnel de la région du département, mais les acteurs également du mouvement culturel, puissent s'organiser et véritablement s'approprier du programme pour lequel nous voulons réaliser la Guyane. Que ce soit au niveau de l'événement, que ce soit au niveau des arts plastiques ou des arts dramatiques, que ce soit au niveau de la formation, de la mobilité en matière culturelle et des équipements culturels, il faut qu'on assume véritablement ce volet qui est essentiel. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de peuple. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de rencontre. Donc en l'occurrence, c'est fondamental que la culture, le sport, les loisirs accompagnent le développement économique de la Guyane. Farouk, la suite. Moi, toujours sur la jeunesse et l'école, une de vos adversaires, Chantal Berthelot, a, dans son programme, prévu la construction de 10 collèges et 10 lycées d'ici 2030. Vous y croyez? Eh bien, si je vous dis que... Vous y croyez, oui ou non? Pas du tout. C'est ignorer actuellement le budget de la CTG. Alors... la CTG, c'est 700 millions, en gros. Sur les 700 millions... Vous avez dit 620, nous. Oui, enfin, ça dépend. Si vous ajoutez donc les 400 millions du département, les 200 millions de la région, auxquels on peut rajouter la convention annexe au contrat de plan avec le CNES, mmh. vous y rajoutez une part, on va dire, des contrats de plan. Bon. 600 millions, 620. En tout cas, il faut savoir, il y a 470 millions de dépenses obligatoires. D'accord. Donc, je doute qu'on puisse réaliser... 10 collèges. Là, c'est créer des images. Je n'ai pas pu l'interroger en direct et je regrette. Les fonds européens, il n'y a pas une forme de tromperie sur la marchandise parce que vous avancez beaucoup les fonds européens, mais les fonds européens viennent en complément de la capacité de financement des collectivités. Tout à fait. Si elles-mêmes n'ont pas d'argent, à quoi vont servir les fonds européens? Nous ferons en sorte que non seulement les collectivités... Je pense que vous visez tout particulièrement les collectivités communales, mais en ce qui concerne la collectivité régionale, je rappelle que je viens de pratiquement terminer l'activité. La région Guyane, c'est 15 millions en trésorerie, c'est 18 millions en masse globale financière et c'est 22 millions en termes de fonds de roulement. Ça veut dire que paralytique et d'aveugle. Nous sommes... Ah, surtout pas. Alors là, c'est une définition qui, on va dire... est déplorable, bon. À la fois pour la personne handicapée, mais en même temps qui crée la sinistrose. C'était une crée métaphore. La sinistrose. Mmh. Mais alors, on va y revenir. Cette métaphore, il faut la combattre. On va y revenir. Parce que ça crée, en ce moment, de l'anxiété auprès des agents de la collectivité, ça crée des risques auprès des investisseurs, alors qu'on est capable, malgré le déficit, malgré les problèmes que l'on connaît, de pouvoir resserrer les fonds de la collectivité qui va donc être créée territoriale et de concourir à des emprunts, notamment auprès de la Banque européenne. Bon, continuez. Juste, on a vu toute la problématique aussi au prix de l'essence, qui est une vraie violence pour les automobilistes. Et on sait que le litre à la sortie de la Sahara est quasiment pareil pour les trois régions, mais que la différence se fait au niveau de la TSC, la taxe sur les carburants. On a entendu Mme Joëlle Prévost-Madère dire « ce n'est pas la région, ce n'est pas la région », mais quand on interroge des pétroliers, ils pointent du doigt votre taxe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette taxe? Alors, en deux secondes, si vous permettez. D'abord, le prix est fixé et contrôlé par l'État. Le prix est indexé. Il nous a été imposé. Et rappelez-vous qu'à l'issue des grandes grèves qui avaient eu lieu, M. Lurel, à l'époque, a pris le dossier et l'a encore modifié. Et en 2013... il en est sorti une formule qui ne nous convient pas, qui fait que nous, on a fait une contre-proposition. Et je remercie Mme Madère Joëlle Prévost, qui a travaillé avec nous sur ce dossier. Nous avons demandé à mettre en place ce qu'on appelle le prix parité importation. Et c'est là que nous avons débusqué le canard boiteux, qu'il y a un glissement de 15 centimes sur le prix sorti Sahara. Aujourd'hui, la Sahara se fait une marge à nouveau sur le prix donc, de l'essence qui est vendue en Guyane. Vous allez pouvoir... Donc, Je peux vous garantir qu'une mission sera mise en place et je souhaiterais que Mme Madère Prévost travaille avec nous parce que véritablement, on va permettre justement le pouvoir d'achat
des consommateurs en Guyane, permettent aujourd'hui aux gamins avec leur mobylette de pouvoir circuler et se rendre dans leur lieu de travail. Bref, de redonner à l'économie de la Guyane son développement. Car aujourd'hui, toute société qui est en développement, est en émergence, est quelque part freinée par la hausse des coûts donc, du pétrole. Là, une problématique très importante, on a interrogé tous les candidats. Alors, cette fusion va entraîner donc un rapprochement des agents. On nous parle, et vous avez dit, cela va me demander à moi, parce que vous avez travaillé dessus au moins 6 mois, et aux autres certainement beaucoup plus. Alors déjà, est-ce que vous pouvez garantir le paiement du salaire de tous les agents sur ce laps de temps? Je ne peux pas garantir pour le département, et je serais prétentieux de le dire, mais en tout cas pour la collectivité régionale. Vous savez, mon directeur et moi avons accès directement à la trésorerie pour voir le volume de crédit dont nous bénéficions. Alors je vous le donne ce matin, puisqu'il n'y a pas de secret, 18 887 52 centimes. Vous pouvez le marquer, 18 852 27 centimes. Voilà la somme. Ça veut dire que nous pouvons payer aujourd'hui les fonctionnaires de la région pendant 9 mois. Maintenant, il appartiendra de découvrir ce qui se passe au niveau du département. Et ce que nous avons fait de façon très intelligente et pragmatique, c'est que nous avons opté pour 2 prêts. Un prêt à l'AFD, un prêt à la Caisse des dépôts. Il n'y a pas une commission de façon, qui était censé travailler dessus? Eh bien, écoutez, ces points-là ont été soulevés par mon collègue Boris Chansit, qui a participé à toutes les commissions, moi, très très rarement. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la comptabilité ou le budget du département est-il sincère? Voilà la vraie question. Mmh. Donc il faut y être à l'intérieur pour savoir véritablement ce qui se passe. Je prends un seul cas, M. Farouk, un seul cas. Quand j'ai quitté la CACL, donc l'agglomération, après avoir effectué les transferts de compétences en matière de transport, j'ai établi un recours auprès du Conseil général pour l'absence de paiement de ce transfert de compétences. C'est 9 millions. Vous multipliez 9 millions par 4, ça veut dire que en 2016, après les élections, il y a 36 millions qui devraient être reversés à la 3CL. Donc si vous rajoutez les 36 millions, vous rajoutez les 10 millions de dettes sociales, les 2 millions de vieilles écritures et plus le RSA, je vous laisse le soin de faire l'évolution du budget du département. Tout chiffre. Très bien. À vous entendre, Rodolphe Alexandre, on craint maintenant que vous vous retrouviez tous les deux, vous, les présidents des collectivités aujourd'hui, pas forcément à la tête, puisqu'il n'y aura qu'un seul chef, mais tous les deux à travailler à l'intérieur de cette CTG. Ça va être compliqué si on vous retrouve tous les deux à l'intérieur de cette CTG. Pas du tout, non? Très sincèrement pas du tout. J'ai du respect pour le président du Conseil général, comme pour certains de mes adversaires. J'ai toujours été un homme pour vous, ça ira. Pour moi, il n'y a aucun souci. L'intérêt, c'est la Guyane. Alors, une question, parce qu'on l'a posée à tout le monde, donc on vous la pose également à vous. Il y aura des postes doublons. Comment vous faites le choix de qui sera chef ou pas? Non. Comment vous faites-vous? Très sincèrement, il ne peut pas y avoir de postes doublons. Il y a deux DRH, il y a des comptables partout dans les deux collectifs. Non, parce que tout dépendra de l'organisation. Nous, on s'est prononcé pour un vrai département de la CTG à Saint-Laurent et à Maripasoula. Au gré du volontariat pour la mobilité, ça permettra de répartir l'ensemble du personnel par volontariat sur tout le territoire. Il y a un poste de gendarmerie dans toutes les communes de Guyane. Pourquoi il n'y aurait pas une annexe de la CTG dans chacune des communes? Mais par contre, je dis bien, pour Saint-Laurent et pour Maripasoula, c'est un département. Ça veut dire des techniciens, des chefs de service pointus, capables de recevoir des porteurs de projets, capables de discuter avec les porteurs de projets et avec les maires, de façon à ce que véritablement une ventilation de crédit soit faite. Et si nous pouvons, nous mettrons même par bloc de pôle de territoire des volumes de crédit consacrés au maillage du territoire. Dernière question, Farouk. Dernière question, zut, parce que j'en avais... je voulais sauf parler si, des, sauf d'énergie. Sauf s'il y a des réponses courtes. Alors, très courtes. On sait qu'il y a une route, moi en tout cas je milite à titre personnel pour cette route, Bélizon, Saül, Maripasoula, globalement elle va être faite, enfin je l'espère. Mais vous avez ajouté, vous, la route des fleuves. Oui. Le devis, on a entendu un de vos adversaires parler d'impact. Oui. L'étude d'impact, elle n'a pas été encore réalisée. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas encore une promesse? Alors, non, ce n'est pas une promesse. Vous saviez? Cette route des fleuves va exister. Non, pas tout de suite. En fait, vous savez pourquoi? On a amené le schéma d'aménagement régional au Conseil d'État. J'ai été auditionné par une dizaine de hauts fonctionnaires de la DEAL, de différents services de l'État. Ça se passe au Conseil d'État. Je suis allé avec Mme Isabelle Passion. Et là, nous avons figé le principe d'une route de fleuve. Si nous ne le faisions pas en 2015,
jamais la Guyane, dans les années à venir, ne pourrait avoir cette route du fleuve. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a fait un tracé en espérant qu'au fur et à mesure, où nos héritiers pourront poursuivre ce tracé. Ce tracé a commencé par la route Papaichton-Maripasoula, ça a commencé également par Papaichton-Loka. Si au fur et à mesure, on peut avancer donc, par la piste, une route qui puisse aménager le bord du fleuve, nous allons le faire. Si on n'avait pas fait aujourd'hui, les mouvements écologistes ou d'autres nous auraient définitivement bloqué la carte de la Guyane. Malheureusement, Farouk... Pendant les débats, je parlerai d'énergie avec vous et voilà, y a les débats pour de l'octroi de mer. Ne vous inquiétez pas, il y a les débats pour ça. Allez, pour conclure, Rodolphe Alexandre, vous connaissez les trois mousquetaires, bien sûr. Vous rappelez des noms ou des prénoms, D'Artagnan, Aramis et le dernier, vous l'avez ou pas en tête? Non. Porthos. Porthos, effectivement, Porthos. C'est un nom qui vous parle. Il quitte le PSG pour vous rejoindre. Et vous ne lui donnez rien. Il n'est pas sur la liste. Vous n'avez pas peur qu'il retourne son épée contre vous? Non, non, vous me surprenez. Monsieur Porthos est d'abord un ami de très longue date. Monsieur Porthos a signifié, comme d'autres élus, faire un stand-by. Il va se consacrer à d'autres activités. Je lui ai promis, en tant que président de la Fédération des parents, de travailler avec nous. Et il aura sa mission. C'est lui qui a souhaité. Je vous rappelle que étudier sur d'autres conseillers au Conseil Général qui, eux aussi, ont souhaité faire un stand-by. Et vous verrez qu'il n'est pas le seul. Donc, je lui souhaite bon vent. J'espère qu'on allons donc travailler ensemble. Mais il n'y a jamais eu d'alliance de copinage. Par contre, c'est un homme responsable qui, comme moi, a osé défier le PSG. Qui, comme moi, a osé expliquer que la pensée unique s'est terminée. Qui, comme moi, a osé dire qu'aujourd'hui, il fallait revoir nos positions idéologiques. D'où le fait que Guyane Rassemblement est un parti ouvert. C'est à toute la Guyane. Nous réfutons les pensées, la pensée unique, le sectarisme qui donc est prôné. Et donc je salue son courage. Et il n'est pas seul, avec d'autres également. Merci Rodolphe Alexandre d'avoir participé à notre émission. Rendez-vous pour les débats. Ce sera la semaine prochaine avec les 9 candidats. Merci Farouk Amin. Merci Gilles. Rendez-vous pour les débats également. Et rendez-vous demain surtout. Passez une excellente soirée sur ATV Guyane. À demain.